Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Idées de génie. Voilà, en fait, on va faire un piège à guêpes. Pour ce, vous avez besoin d'une petite bouteille d'eau. Moi, j'ai choisi une petite bouteille d'eau, mais vous pouvez prendre une plus grande. Une paire de ciseaux, du fil semi-rigide. Et alors voilà, donc en fait, ce n'est pas très compliqué. Ici, j'ai déjà découpé ma petite bouteille d'eau. Donc, je vous montre, on retire d'abord l'étiquette. Voilà, j'ai retiré l'étiquette. Ensuite, on coupe dans la bouteille. Aussi, il faut retirer le bouchon. Dans la petite bouteille, nous allons mettre du sucre impalpable, pas beaucoup, approximativement 2 cm d'eau, vous voyez, on mélange. Et ensuite, je rajoute un peu de viande hachée pour être certaine que ce ne soit que les guêpes et non les abeilles qui rentrent dedans. Sinon, c'est catastrophique. Nous aurons aussi des abeilles à l'intérieur. Ce serait bien dommage parce que, par contre, les abeilles sont très utiles. Là, je ne veux pas rentrer. On va l'aider. Voilà. Sur ce, pour faire cela, maintenant, nous avons besoin de faire un petit trou. Moi, j'ai ce qu'il faut ici. C'est pour faire de la pyrogravure. Hop. Comme je ne l'ai pas allumé, je l'allume. Comme ça, en quelques secondes, le petit trou est fait. Hop là. Ça, c'est assez comique. Hein. C'est marrant. C'est marrant. Voilà. On se fait vite un petit trou, vite fait, bien fait. Voilà. On met bien ça par terre parce que c'est très, très dangereux. Et il suffit donc de mettre un peu de fil de fer qui reprend les deux. Voilà. Et voilà, nous avons notre piège à guêpes qui est prêt. Voilà, si l'astuce vous a convaincu, eh bien, merci de pouvoir liker, voire même vous abonner à ma chaîne. Récup, idée de génie, portez-vous bien, merci.